Salut à tous et bienvenue sur LIDJDJ E2M en ce lundi 30 novembre 2020. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Ben Stiller, né en 1965, ainsi de Laurent Jalabert, né en 68. Allez, on va passer avec un petit peu d'actualité tout de suite. Alors, ça se passe en Autriche. Il y a une ville moquée pour son nom là, depuis des années. Va enfin changer de nom en 2021. Il faut dire que la ville en question, la ville autrichienne, c'est la ville de fucking. Ouais, il y a de quoi être un peu mal à l'aise. Hein. D'ailleurs, ça me donne l'idée de passer un petit peu en revue les noms bizarres du monde. Je pense que ça peut être pas mal. Sinon, je termine avec mon actu. En 2021, elle va être renommée Fugging. Donc, c'est un petit peu mieux, on va dire. Bon allez, on va commencer avec la ville galloise de Llanvihirpoolgeilgeogerukerndrobullandusilioggogogoch. Ouais, ça c'est le nom de la ville. Traduction. L'église de Sainte-Marie dans le creux du Nouveau City plan près d'un tourbillon rapide et l'église de Saint-Ilio près de la Grotte Rouge. Voilà. Simple. Sinon, pour compenser, il y a la ville de Y en France. Ça s'écrit avec un Y, quoi. Un I, mais grec. Un Y. Ça se prononce Y. Et ça s'écrit avec un Y. Sinon, en Haute-Vienne, il y a Arnaque la Poste. Pourquoi pas? En Caroline du Sud, il y a Why Not. Pourquoi pas? Oh, ça va, c'est facile. Après, je vous avoue qu'en France, on est fort. On est très fort. On est. Des exemples hein, entre Sainte-Verge, Boncul, Tirepoil, Cornu, Gland. Putain, on n'est pas gâtés, hein. Mais franchement, qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui. C'est quoi l'origine des noms? Ah, tiens, je vais appeler ça la ville de Gland. Ça sonne bien, c'est. Non, franchement. Il y a du level, il y a du level. Il y en a encore plein d'autres, mais non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Pour finir, je souhaite une bonne fête à tous les Andrés. Et il faut savoir que si on a envie de jouer au con, bah, des fois, il faut accepter d'être le plus fort. Allez, salut et à demain!